Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des colis en vrac. Donc, l'épisode 2, pour rappel, le concept, c'est bah, juste en fait de mettre tous les colis que je ne mettrai pas pour des présentations de stuff ou autre. Voilà, en accéléré, ça vous fait un peu de contenu en plus. Moi, ça débarrasse un peu la tablette, un peu de place sur la tablette, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément. Bien sûr, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça reste le meilleur moyen de pouvoir soutenir la chaîne ainsi que de suivre l'intégralité du contenu qui sort sur cette dernière. Je vous invite aussi à me faire part de vos retours sur les combats dans les commentaires. Voilà, me dire un peu ce que vous avez pensé des gameplays. Et si vous voulez savoir les stuff des personnages, je peux vous les donner aussi. Bien sûr, comme d'habitude, le Discord et le Instagram communautaire sont dans la description. Je vous invite à les rejoindre pour pouvoir participer aux prochains events et également communiquer avec le reste de la communauté, etc. Voilà. Donc pour le premier combat, je suis en Osamodas et je suis avec Bleach et Deosmos. Donc on est en Yopsadi Ossa et en face on a Fekka, Eni et Panda. Donc une compo assez solide en face. Va falloir bien placer le jeu, tranquille. On a l'avantage de la map, je pense. Enfin, quoique. Ouais, bon, si on a l'avantage de la map. En vrai de vrai, ça va. On n'a pas de rocks à distance et tout. Faut bien faire gaffe à tout ce qui est placement, machin. On n'a pas trop le. On n'a pas trop le choix. Faut faire attention. Le Fekka qui va jouer, il va remettre une glyphe. Bien sûr, une petite glyphe agressive. Il a tout le monde dans la zone, donc pourquoi ne pas en profiter? Et il va TP directement. Il va s'avancer un peu, il va TP. Le petit aveuglement qui va partir et il va retourner certainement se cacher derrière. Ok, un deuxième aveuglement, il voulait tuer hein, le bouffetou. Il a raison, hein, il m'empêche de placer mon jeu, donc c'est plutôt bien joué de sa part. Là, je vais faire voilà, une petite substitution pour soigner un peu mon Yop et me soigner un peu au passage. On essaie de rester au maximum de vie possible et on va mettre un petit sanglier dans le fond de map. Voilà, on continue, hein. De toute façon là, ça va être un peu de tempo dans un premier temps, le temps que notre shop il soit bien, enfin, il puisse faire un gros tour quoi, on va tempo un peu le rempart. À côté, ça va remettre un stimulant sur le Fekka, alors je sais pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Ça va troubler en arrière pour remettre le Lapino devant, je comprends pas du tout ce qui se passe là. Le tour de Lenny, j'ai pas trop compris, bon c'est pas grave. C'est au tour de Deos. Bon, Deos qui a pas grand chose à faire à la limite. Il peut peut-être potentiellement gratter un peu de dégâts sur le Fekka. Ou continuer à placer son jeu. Mais non, mais là d'ici. Ok, un arbre qui est posé en fond de map. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ouais, ça va gratter des dégâts assez bas sur le Fekka. Mais bon, il y a le rempart. C'est juste histoire de gratter un peu de dégâts. On va voir. Après, comment ça va se passer? Notre Yop qui a pas grand chose de plus à faire là non plus, hein, c'est pareil. C'est assez compliqué. En plus, le chaffeur qui va super bien se placer. La puissance qui part. La maîtrise d'armes également. Là, ça va aller tuer le chaffeur parce que le chaffeur est assez gênant. Et je pense que ça va préparer un tour 3. Hein. Il a chargé la destin. Là, le Fekka va perdre son shield. Ça peut être pas mal. On va kick un peu de puissance au Fekka, hein, bien sûr. Histoire de ne pas prendre trop de dégâts non plus. Après, là, ouais, il perd tout, là. On est tour 3, il perd tout. Il va me taper, moi. Il va me focus, moi. Donc, pourquoi pas. C'est vrai que c'est plutôt intéressant parce que j'ai pas forcément énormément de vie hein, sur le build que j'avais à ce moment-là. Vous voyez, là, je suis déjà à 4000 vita max. C'est pas énorme. Je vais encore mettre une substi, voilà, c'est toujours utile. On va redonner DPM au Yop. Là, de toute façon, hein, tranquille, c'est tranquille, on se cache, on va maîtrise pour pouvoir mettre un petit coup de type tour pro. Pour l'instant, c'est vraiment sur de la tempo là. On est vraiment sur de la tempo. Là, Lenny qui va décaler son Fekka. Alors oui et non. Pour clean le sanglier, bon. Après, moi je joue pas forcément sur les invocations avec l'Ossa. J'ai les 6 invoques importants sur le mode. Mais ça dépend en fait. Ça dépend du combat, etc. Là, j'aurais pu jouer sur les invoques et tout.
Mais bah, vous voyez, c'est pas forcément nécessaire. Je préfère jouer soutien. On a le Sadik qui cancérise avec ses invoques. Je pourrais le faire, hein, mais en vrai, j'en pose. Il est clean, donc c'est bien aussi. Ça leur fait claquer un peu des PA. En sachant que moi, j'ai pas grand chose de plus à faire en fond de map. Là, c'est vraiment la galère par contre. Du coup, ça va les focus Lenny. Hein. Notre chop, il va partir cash sur Lenny. Il va lui mettre un gros tour. Hein. Il a presque fini. Donc, c'est très très cool. Logiquement, il devrait ne pas rejouer. Le rempart qui arrive, ok. Non, normalement, il devrait pas rejouer. Je pense que si j'arrive à bien gérer, il rejoue pas. On va voir comment ça se passe. Mais je pense que en gérant bien, il devrait pas. Ouais, c'est ça. Je vais dragonner, mettre les PM, prendre le contrôle et remettre un tofu tranquillement. Et là, normalement, avec le drago, je devrais pouvoir finir sans problème. On va debuff. Et voilà. Le kill du dragonnet qui est pris. Vous voyez, c'est vraiment de la grosse tempo. Là, j'ai lâché un GG parce que, bah, voilà, on a notre jeu du Sadik qui est placé. Il peut soin le Yop et me mettre une petite puissance sylvestre. La folle qui vient par-dessus le tas. Donc, voilà. Il n'y a pas trop de risque à ce niveau-là de perdre la game là. On était très très bien parti. Bien sûr, on remercie le manque de batterie de la tablette et le Yop qui va se faire debuff, donc assez embêtant. Il a pris quand même assez cher là sur ce tour. En plus, il va être en retour de précis. Heureusement, il a la sentence. Il a la sentence. Est-ce qu'il va l'utiliser ou pas? Je pense, hein, je pense sentence épée, c'est pas mal là, hein, sur ce tour-là. Il va pouvoir se régénérer un peu comme ça. Au final, il va lâcher une coco et mettre sa petite concentration. Je me rappelle plus, je crois qu'il avait chargé en plus. Hein. Mais bon, pas de puissance, rien. Donc oui, c'était une coco chargée. Mais bon, il n'avait pas la puissance, il avait rien. Donc c'est... Et il a pas crit. On sache. Bon, après, ça impacte pas énormément là, pour le coup. Le Feka qui va clean la folle... Et qui va l'escaler derrière, pourquoi pas. Bah moi je vais aller prendre la zone, hein. Écoutez les frappes. Voilà, 400 en CC quasiment sur rempart, donc c'est assez propre. On va soigner un peu le reste de l'équipe. Là derrière le drago qui est encore vivant. On va aller taper le panda. On lui gratte encore quelques dégâts. Et logiquement notre Sadi devrait être en capacité de finir. Quoique peut-être pas, hein. Peut-être pas. Il y a quand même le rempart. Ah, ça se joue à rien. Si, la flamiche. Ah non, il est resté le tremblement. Bon, voilà. Donc, le Sadik qui arrive à finir, du coup, le panda de la team adverse. Et là, bah, du coup, le Yop qui va full rock. C'est, du coup, le Feka qui tempo. Enfin, qui tempo, qui décide de continuer. Il veut prendre son kill sur le Yop. Bon, malheureusement, là... Du coup, il n'aura pas. Il n'aura pas le clean sur le Yop. Et là, on va mettre la frappe. On va le retaper un peu derrière. Bon, le Feka est mort, mais il faisait un peu durer. Donc, on change directement de combat. Pour ce deuxième combat, je suis en sacrieur. Et je suis avec Sano. En Eniripsa, on a un Yop. Et on a, bien sûr, bon, en sacri, du coup. Et en face, on a Xelor Krasadi. Une compo qui est assez relou. J'étais en sacri haut pour ce combat. J'étais en sacri haut. Donc ouais, compo assez relou en face, hein, quand même. Xel Sadi, bon, vous connaissez, c'est un assez embêtant. Ça fait surtout des gros dégâts. La Sano qui va directement rush et mettre une petite marque sur le Sadi avec le mode dissuasif. Bien sûr, il m'a PA au passage, hein, donc ça c'est plutôt carré pour nous. Le Xel qui va prendre la zone PA parce que bah, il a encore une zone, hein, contrairement à Lenny. Voilà. Qui va pas faire grand chose au final, il va mettre son petit contre tranquille. Le tour classique, hein, au final. Moi je vais Châti Martyr sur ce combat. Alors pourquoi le Châti Martyr et pas le Châti Vitalesque? Bah, parce qu'on a un Lenny tout simplement et qu'on va la jouer vraiment bourrin. Là le but ça va être de les empêcher de placer leur jeu. Donc si je me mets dans Châti Vitalesque, je manquerai fortement de rocks, je pense. Là le Kra qui va prendre la zone, hein. Voilà la double explo, flèche enflammée.
Ah non, juste une explo et flash aveuglante, pardon. Là, j'ai du mal avec les sorts hein, aujourd'hui. Le Yop qui va charger sa destin tranquillement. On arrive sur le tour du Sadi. Bon, Sadi, je pense que T1, voilà, hein, comme d'habitude. Ça va placer la gonflable, la connaissance des poupées. Et on va tranquillement placer le jeu. Sano qui est déjà pas bien. Hein. T1, midlife, il va reculer. Il va reculer, il a pas trop de choix. Là, il s'était un peu trop avancé hein, sur le tour 1. Ça va poser le Lapino, lui donner les PA. On va le laisser en mode soin. Hein. Et le mode drainant pour mettre un maximum de régène. Voilà. Il se remet quand même déjà bien. Hein. Il reprend plus 800 HP, donc c'est assez cool. En plus de ça, du coup, la fiole et le Lapino sont placés. Là, ça va être mon tour. Si le Xel, il m'omiffe pas, bah, je vais pouvoir le TP. Hein. À moins qu'il rush, mais voilà, bon. Il a décidé qu'il en serait autrement et de nous ramener nous. Donc, pourquoi pas. Le flou qui est assez embêtant. Mais bon. Ouais, c'est vrai que le flou est assez embêtant, en vrai. En plus, moi, je suis taclé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Le Yop est feu, donc je vais aller prendre la zone. Je vais aller lui donner la zone, entre guillemets. Et moi, je vais aller directement sur le Kra. Et on va lui mettre des gros dégâts. Double dissolution. Voilà, derrière, on fait la petite projection. Comme ça, le Kra est full tackle. Et derrière, on va rapprocher un peu l'épée des coéquipiers. Là, il va devoir me disper. Ça lui coûte déjà un peu cher. Derrière, il peut mettre un petit coup en triple balise sur notre Yop, ce qui est assez embêtant. Derrière, notre Yop, il a quand même une belle zone. Il va pouvoir se régénérer un peu avec une sentence. Hein. Bah, Yop feu, forcément, ça va faire le taf. Et bah, je pense qu'on va partir sur un focus Sadi. Hein. Voilà, la régène qui est quand même là. Des beaux dégâts qui sont mis. Des très très beaux dégâts qui sont mis. Le Sadi qui est midlife. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, derrière, il peut pas... Il pouvait aller le tacler, je pense. Après, je crois qu'il avait pas de tacle. De toute façon, les stuff feu ont pas forcément de tacle. Ça m'étonnerait qu'il joue feu, enfin, en mazine, quoi, en feu haut. Là, ça va aller débuff le Yop, du coup, lui mettre des gros dégâts. Derrière, ça va, c'est Lenny qui joue. Donc, on a une initiative qui est assez correcte par rapport à ça. Sadi qui met des bons dégâts quand même au Yop. Hein. On va pas se mentir. Derrière, il recule au maximum. Donc oui, c'est bien ça, il n'était pas taclé par l'Yop. Donc c'était pas forcément utile. Voilà, ça lui a fait claquer un PM. Donc c'est plutôt cool. Là, on était en train de voir pour justement... pour pouvoir... Altru. Donc la petite marque bénite qui est posée. Derrière, ça va Altru. Et là, on était en train de réfléchir pour voir, pour embêter un peu le Kra. Donc on va envoyer sa balise derrière. Et derrière, replacer une marque sur lui directement. Après, il n'a pas énormément de vie. J'hésitais là, en fait, entre continuer le Kra ou essayer de finir le Sadi. Malheureusement, finir le Sadi, ça me paraissait un peu compliqué. Ouais, finir Sadi, très compliqué même, là, pour le coup. Et là, le fameux dilemme. Je kill ou je sacrifie. En plus, j'ai pris un moins 2, donc c'est assez embêtant. J'étais en train de regarder, voir ce que je faisais. Tac, là, la projection. On va aller mettre le petit avec la Marco qui a fait vraiment des gros dégâts. Et là, je me demandais si je finissais. Et au final, bon, on a joué safe. On a sacrifié tranquillement le Yop. Et en plus, je reviens à ma place. Donc ça, c'est plutôt cool. On rapproche l'épée au cas où. Même si je pense pas qu'elle aura le temps d'être utilisée. Mais là, vous voyez que le Kra, il est assez embêté avec sa balise là qui peut pas trop exploiter. Je sais pas trop pourquoi il est allé par là. Il y avait moyen de... Là, dans tous les cas, il a récupéré la dispé. Donc, il aurait pu lâcher une dispé et faire quelque chose. Mais bon, là, c'était un peu compliqué. Une dispé sur Yop, ça le remettait au milieu des balises. Après, explos sur sa balise. Mais sans passer par le côté, du coup, il aurait fallu qu'il passe par le bas plutôt. Notre Yop, du coup, qui peut rejouer. En plus, c'est son tour destin. Donc, il va pouvoir faire un très, très gros tour. Là, il hésitait à précis pour... au final on va voir ce qu'il va faire. Une petite inti, la tempête. Et malheureusement il ne kill pas le Kra. Il a kill le Sadi, mais il ne kill pas le Kra. Au final il laisse à vraiment très peu de vie. Bon, Lenny qui va pouvoir s'en charger tranquillement. Et puis bah, derrière il reste que le Xel. Donc c'est pas dramatique. Il me laisse des mots marquants à chaque fois hein. Il me laisse des mots marquants.
Ça me fait des tours énormes hein, au final sur le Xel. Là, je reprends des dégâts, il va me full tap. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En sachant que j'ai les moyens de faire là la pupu en plus. Une grosse pupu. Et avec le coup de cac et tout, c'est énorme. Bon, bah, vous voyez le tour qui est parti. Je l'ai mis du moins 3000 sur le tour, donc c'est vraiment pas mal. Après, Sacré Haut reste pas le plus opti, mais ça reste quand même très fun. Le Yop qui finit tranquillement. Et on part du coup sur le troisième combat. Donc cette fois-ci, je suis de nouveau en panda. Et en face, on a Eka Xelor Panda. Et avec moi, j'ai bien sûr Bleach, hein, encore une fois, et Snowden. Donc en Xelor. Xelor Yop Panda, c'est pas dégueu. En face, je m'aperçois que c'est Fumier. Le frérot Fumier, hein, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu sur la chaîne. Donc ça fait plaisir toujours de le revoir. Hein. Là, il disait, je regarde un peu la mage et tout. Et en fait, c'est là qu'on a appris que double stab, etc. Mais c'est que en PVM, pas en PVP, donc ça va. Ce sera heureusement d'ailleurs. Double stab en PVP, ça peut être très très utile, hein, mais en soi, Ankama aurait été capable hein, quand même. Ils auraient été capables, j'avais pas encore vu, donc ça date quand même d'un petit moment, hein, ce combat-là. À peu près quand je vous ai sorti la vidéo, la vidéo sur Lenny R, c'était sur la même période. C'était un ou deux jours avant ce combat-là. Là, du coup, je vais mettre un peu de shield, le pendant le cul qui part. On va Wasta quand même là-bas en front de map comme ça. On casse un peu le jeu du Xelor et derrière on va ramener les K-Flip. Et voilà, on va passer avec un PA, on n'avait pas grand chose de plus à faire. Là du coup leur panda qui peut venir m'attraper. Hein. Il peut venir m'attraper, il va mettre un Wasta sur notre Yop forcément. De toute façon il n'avait pas grand chose de plus à faire non plus. Et il va même pas venir me chercher. Au final, j'ai pas compris pour le coup pourquoi il est pas venu me chercher. Il va me rapprocher un peu avec le tonneau, mais à la limite, ça m'arrange. Ça m'éloigne de l'Eka Flip. Et j'ai encore les PM pour aller le rechercher derrière. Donc voilà. Zéro problème de mon côté. Il me reste quand même pas mal de vie. Derrière, Notiop qui va tranquillement duel l'Eka en fond de map. Voilà. Vu qu'il pouvait pas cac et tout, il décide de tempo. Il va prendre des bons dégâts quand même. Hein. Néo-destructeur qui... Voilà, c'est quoi ce pseudo Néo-destructeur qui met des bons dégâts quand même. Bon, derrière notre Xel qui va totalement caillasser les K-Flip. Et là, le Xel adverse qui met un bon retrait quand même. Il met des bons dégâts aussi, hein, en vrai. Full CC en plus. En sachant que j'ai 100 rescrit, donc non, franchement, il fait un gros gros taf. Là, on va se régène un peu. Voilà, on va pas virer les cas du Yop parce que forcément, sinon le Yop il peut rien faire. Hein, retour de duel. Là, le panda qui va pouvoir jeter mon Wasta. Derrière, il peut me mettre des vagues. Hein, voilà, potentiellement, petite vague. Et ouais, jouer Panda R du coup. Panda R c'est très particulier, hein, je le répète encore une fois, mais franchement, le fait d'avoir quasiment que des sorts en ligne ou en Diago, c'est très très handicapant. À part l'absinthe, mais sinon tout le reste c'est ligne et Diago quoi, donc c'est assez relou. Là, le Xel va nous ramener le Dada tranquillement. Il va aller le taper un peu. Enfin, le taper un peu, il lui a mis quand même un assez beau tour. Derrière, ça va être. Autour du Xel adverse. Xel adverse qui... je crois qu'il sort... Voilà, c'est ça. Il sort de Momif. Il va mettre lui aussi un cadran. Il va ramener notre Xelor et le Panda. Sa tryhard en face. Ça va mettre un petit moins 3. Donc ça, c'est assez embêtant. Un petit moins 1 sur notre Xel. Donc ça, c'est pas si grave. Un PA encore, ça va. Derrière, ça va être mon tour de jouer. Il y avait quand même une petite latence hein, dans les combats. Une légère, mais... Là j'ai pas mal hésité, je voulais porter, à un moment je voulais porter les cadrans et tout. Au final, hop,
Je vais rapprocher le Yob de 1, vu que je vais pas pouvoir mettre de gros dégâts. Je vais mettre des petits coups de dague pour tuer le cadran du Xel adverse. Et puis là, je vais me rapprocher un peu. Et là, il demandait... En gros, il me demandait qu'est-ce que je pensais du cumul du nouveau Kawot avec le nouveau Dolmanax. Je trouve ça nul. Le Dolmanax, oui. Il est très très fort maintenant. Il est dans quasiment toutes les situations, il sera plus utile que le pourpre. Par contre, pourquoi le coupler avec le Kawot? Pour gratter 25 de stats all en plus, dans ce cas-là, autant mettre un pourpre. Pourquoi? En sachant qu'il y a beaucoup de Dofus et de trophées qui sont assez utiles. Donc il sera tout le temps dans les derniers choix, hein, quasiment tout le temps dans les derniers choix, à part sur un build complètement débile en full rocks, et encore, il y a toujours mieux. Hein. Que bon, Tutu, Domakuro, Dolmanax, DDG, Pourpre, ça fait déjà Ocre, donc ça fait déjà 6, voilà. Donc sur un build full dégâts, il n'y a pas moyen de faire beaucoup plus. Hein. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, voilà, bon désolé, c'est le matin, je suis pas forcément réveillé, donc le commentaire a été peut-être un petit peu moins qualitatif qu'à l'accoutumée, mais voilà, il faut, hein, il faut pour avoir un rythme de vidéo comme ça, il faut charbonner au maximum. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, oui je vous ai spoil. En attendant, portez-vous bien, c'était Mars, ciao ciao.